Zami fidèle mwen yo, comment nous y? Jodi a la, gen yon vidéo qui vient jwenn mwen. Lè m gade vidéo ça et analyser, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Yon vidéo, un jeune garçon qui ke bon gros âme fann fwa nan men. Oui, c'est haïtien qui lié. Mais m pa konn nan ki zone vidéo ça filmé. Jeune garçon fè konnen li même li se yon rhétorique, li fè dépannage d'ordinateur, li se yon secouriste, li fè maçon, li fè ferrailleur, el gen papier INFP nan mel. Ça veut dire là, son jeune qui t'allait l'école, jodi a la, li trouvé la gang. Et nan, dernière parole li di, zam sa, c'est l'État qui mette nan mel. Guy Philippe a vin retire nan mel pour ka travay libre, légal. Ça veut dire là, tout bandi nou wè yo, ka bay problème, yo gen yon minimum espoir. Yo mise sou Guy Philippe, yo fè Guy Philippe confiance. Guy Philippe même, li konn ki stratégie li pral utiliser envers bandi yo. Et bandi yo la, yo parle tan Guy Philippe. Pour ouais, si Guy Philippe ka réintégré yo dans société. M'bal invite à regarder vidéo ça. Après ça, m'a tourné pour plus d'état avec précision et parler chez vous. Prends plus mon point caillou, notez parce que m'gain dossier pour là concernant Guy Philippe. On regarde vidéo ça, après ça m'a tourné. Concept, l'état même du moment. Son rhétorique. Je ne suis pas un ordinateur, je suis un éducateur, je suis maçon, je suis fait à l'air, je ne suis pas un éducateur même. Je ne suis pas un éducateur. Je suis un éducateur pour un travail légal. Et pour avoir un choix avec nous. Aïe. Papa, tu es un pays. Est-ce que vous avez un live là? Partagez. Poussez. Nous sommes gardés, c'est une vidéo ça qui n'est pas trop longue. Mais dans une vidéo ça, il y a une pile parole qui parle la donne qui vraiment fait triste. Il y a un jeune comme ça qui a tout métier ça en mail, dépannage ordinateur, il y a comme son travail. Secouriste, moun qui sensible pour santé moun. Moun ka bon premier soin. Li fait ferrailleur, ou pa ka kon son kay pour pa gen boss ferrailleur. Li fait maçon, ou pa ka fon en construction pour pa jeune maçon. Il n'a pas payé une FP dans le mail. Il est dans le secteur d'éducation. Vous regardez, un jeune garçon, il a ça dans le mail pour lui. Un zam, une fois, un zam ça qui est dans le mail. Comme il dit lui-même, il a la bataille pour payer. Il n'a pas quoi la bataille pour payer. Parce qu'il n'a pas mis un zam dans le mail. Pour qu'il ne soit pas mis un zam dans le mail pour le tirer. Laisse ça, il n'a pas de bataille pour payer. Oui, il n'a pas de bataille pour payer. Il dit qu'il a mis un zam volé avec un zam dans le mail un jour. Mais l'en camp m'a détourné comme marchandise. L'a kidnappé moun. Ça veut dire. Bon, je regarde vidéo ça et entendez que ça dit dans fin vidéo c'est Guy Philippe qui a venu retirer exam dans la mail pour le travail légal dans le pays. Parce que imagine nous n'exagérer tout mais ça dans mail, gen jeune là qui finit l'école quand même tout ça. Oh. Un jeune qui a pas de panneau d'ordinateur et l'argent oui. Par contre, l'entreprise qui a besoin, parce que la majorité d'entreprises, ils ont un ordinateur là-dedans. Ils ont un kit là pour technique, en tant que technicien. Secouriste, ou qui travaille dans les affaires, ambulance. Oui. Bon. Concernant Guy Philippe, il parle. Guy Philippe, Gampil Bandi, il a un examen, j'aime des carrés et tout. Même j'avais le journaliste qui a pédé les négats, même qu'on est bandit et tout. Qui a prétendu Guy Philippe. Il a prétendu Guy Philippe pour qu'il fasse une seule bataille. Il a prétendu Guy Philippe pour qu'il réintègre notre société. Il a besoin de Guy Philippe pour qu'il réintègre notre société parce que il a dit Guy Philippe, c'est celle Guy Philippe qui a compris. Parce que il va grandir avec Zamna qui est dans la main. C'est pour toi pour te le bailler dans le ghetto. Pour qu'il y ait une élection, quand il y a une élection, nous avons rencontré les militants, je dis à la, après une fin de l'élection, nous avons traité comme gang.
et c'est nous-mêmes qui te lagué zam zan améo pour te kaba nous zone nan les gain élection. Tendez bien. Guy Philippe selon avocat maître Renaud George lui fait connait Guy Philippe t'a négocié avec PM Ariel Henry. On te parlé ça déjà dans l'émission précédente mais nous connaît et gen moun ki pa kwè nou, y a pas si c'est vous avouer monter, m'tou di nou même pa jam parler ça m'pa konnen. Maître Noël George pour un pile moun li avili Guy Philippe. Avant que ouais Guy Philippe lancé désobéissance civile là, Guy Philippe te gen écrit ou bien chercher pour négocier avec PM Ariel Henry pour te mandel 4 ministères. Parmi yo ministère sécurité publique avec ministère justice. Pour nous, c'est ça seulement. Lorsque le ministère de la justice dans le monde, Guy Philippe a facile qu'à marrer tout gros nèg qui a baissé dans le pays d'Haïti et nèg qui a alimenté les bandits. Parmi eux, non nèg ça qui est dans la liste pays Canada avec États-Unis. Guy Philippe demande le ministère de la sécurité publique. Guy Philippe, gen sécurité publique nan mel, avant tande bandi a bloquer zone, pap gen bagay sa. Lorsque sécurité publique nan moun, la police est sous contrôle, l'armée d'Haïti BESAP est sous contrôle. Les ça, wa ka gen contrôle terrain, wa ka passer l'ordre. Avant tande bandi a bloquer Belé, bandi Belé attaquer Solino, bandi Mariani, bandi Canaran, bandi, quoi de bouquet avec Matissan, pap qui bagay comme ça. L'allemand de ministère de sécurité publique, li kon pou sa l'mande là. Li mande pour ka mette sécurité dans le pays. Li mande pour moun Jérémy yo. Le yon gen marchandise yo pour ka rentre dans la capitale la vin vanne. C'est ça. Mais étant donné, Peyam Ariel Henry gen intérêt dans kidnapping dans ce que dans malhonnête bandi a fait là li gen intérêt dans insécurité a li pa bay Guy Philippe li. Parce que vle ou pas Guy Philippe et Peyam Ariel Henry li gen aliel ka porter drogue dans pays a li gen aliel qui impliqué dans zak malhonnête kidnapping dans pays d'Haïti. Peyam Ariel Henry li gen boss li patron qui n'a corruption. Kounya la, si la bay Guy Philippe tout et 4 ministères sa yo, li pa bon pou peyi a, li pa bon pou li, tandis pou peyi a pou nèg ki nan secteur, pou nèg ki nan système ni, li pa bon pou li. Saison pour laquelle Guy Philippe te chercher pour négocier avec parce que li pa vle gen laisser frapper. Li vle fè bagay yo passif mais j'en avec et maintenant je fais qu'on est mais Guy Philippe t'es utilisé sagesse li nous connaît Guy Philippe a fait une bataille diplomatique avec PM Ariel Henry. Ariel pas train de ni ouais c'est pour laquelle Guy Philippe lance désobéissance civile et depuis l'elle lance là il y a plusieurs départements qui bloqué. Ma invite entendre maître Georges qui t'a parlé après ça m'a tourné pour plus de détails avec précision. Bon, hier soir, nous recevoyons l'invitation que le commandant Guy Philippe recevoir, qu'il voyait bon mec. Regardez-le, m'analysez-le, et que moi, que le mandat va prononcer des normes. Parce que vraiment, on va convoquer une association, parce que les infractions pénales sont personnel, ensuite qui commandant qui part reconnaître le gouvernement qu'il a demandé désobéissance civile. Donc fort de cela monsieur considéré mandat comme une sorte de nuisance. Mais il dit pour me poser une question tout. Il mettait la donne pour dame illégale.
Mais je dis, bonnes âmes qui n'ont pas de monde qui a théorisé tout le peuple là, qui tire, qui tue, qui viole, qui a kidnappé. Mais moun sa yo, yo pa ka bit mandade yo tout, yo pa ka arrêter yo. Donc il dit, pour ta respecter ba sa yo, vous ba li ya, faut yo ta pre moun sa yo avant, parce que y a fait exaction bien avant lui, au contraire. Li di m'di, c'est zak sa yo, même moun y a fait auquel compte qui fait que li entre dans bataille pour faire ba sa yo suspend en dans pays ya. Et, avant de déclarer le peuple là pour faire des obéissances civiles, je suis essayé de faire un rapprochement contre Ariel. Et c'est moi-même personnellement qui ai suggéré le faire et qui m'a fait. Ouais. Parce que Guy dit, il n'a pas aimé, il a laissé frapper. Il a préféré faire un bagage pacifique, mais c'est Ariel qui n'a pas voulu. Et pour cela, il dit depuis Ariel, Bali, ministre qui contrôle la sécurité dans le pays, tel que intérieur, défense et justice et sécurité publique, l'a même accepté cohabiter avec Ariel, mais force sécurité pays n'a même pour besoin frein. Dans toutes les autres, dans toute Syrie, dans tout kidnapping, ça y a fait en dans le pays. Pour que je finisse, c'est le seul pays qui a fait ça là-dedans actuellement. Donc, fort de tout cela, l'Ibrahim a fait ça comme une sorte de nuisance et que l'Ibrahim a un monde qui est violent. Son bail pacifique, il était fait avec Ariel, Ariel a refusé. Et c'est moi-même personnellement qui t'ai parlé avec une très 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 proche Ariel. Bon, je garde mon boulot, je ne vais pas citer non. Bon, nous ne pas mentir, je ne vais citer non. Oui. Monsieur le secrétaire général du Conseil des ministres, c'est un confrère, Maître Richard. Donc, ça va rien plus que. Parce que trois semaines depuis nous avons fait la proposition, il n'y a pas à m'occuper de nous. C'est laissé frapper, vous l'avez fait. Donc nous-mêmes, nous condamnons l'agissement du gouvernement qui va faire un bagage pacifique pour éviter de gagner des blousailles dans le pays, parce que nous ne pas aimer ça. Et quand le pays a fini crasé, nous ne pas aimer le pire crasé toujours, trois personnes mourir. Nous ne pouvons pas dire que nous avons mourir encore. Donc si on va faire comme ça, t'a fait, malheureusement, sans le souhaiter encore, c'est Ariel qui en est la cause. Nous entendons Maître Noël Georges qui t'a parlé concernant Guy Philippe qui t'a négocié avec PM Ariel Henry, mais il n'a pas voulu. Maître Noël Georges fait connaître, c'est lui-même qui t'a proposé Guy Philippe pour te demander à Ariel ministère ça en façon pour bataille de faire sécurité le veut mettre dans le pays pour te mettre le plus facile. Mais Ariel pas de vouloir. Ariel pas de vouloir. C'est pour laquelle Guy Philippe lance des obéissances civiles. Et Maître Noël Georges tout profite de parler tout de mandat, invitation. Yo invité Guy Philippe pour qu'il réponde à question dans le paquet et Fort Liberté. Parce que dans l'année 2004, il y a un paysan qui était victime. Il est victime dans la bataille Guy Philippe a fait. Saison pour laquelle je mettais mandat ça, il a porté plainte et le paquet invité Guy Philippe. Et il m'a fait une émission quand il m'a dit non invitation c'est seulement groupe là ils ont invité non parquet mais semble que l'update il a invité groupe
qui déposer plainte là pour Guy Philippe et ensuite il a invité groupe Guy Philippe là tous les deux parties yo en dans tribunal là pour répondre question. Ça dit bien? Ça veut dire là son face à face qui va le fait non parquet. Guy partisan Guy Philippe yo avec paysan yo qui victime dans l'époque là. C'est ça ba la. Maintenant pour connaître qui Jean ça pour allier et dans date cap 26 janvier 2024 là parce que Guy Philippe supposé à répondre question et pas seulement Guy Philippe et l'autre monde tout paysan qui victime là il y a là et c'est mettre Renaud George qui c'est avocat Guy Philippe qui parle de causer une tendil et c'est confirmé d'ailleurs moi-même m'a pas menti ni fait buzz la femme pam là qui c'est production 69 nous-même force nous c'est la vérité à chercher information ça caché ça secret devoir tout secret et venir parler là sur réseau dès que t'as dit nous Guy Philippe t'a cherché négocier avec PM Ariel Henry c'est que nous t'ai vérité mais là avec avocat Guy Philippe qui s'est mettre dans George il confirmé 100% ça ne te dit même que même dès qu'on confirme déjà mais nous-mêmes il vient confirmer pas moi le confirmer malé rendez-vous dans la prochaine émission pour nous venir traiter un autre dossier pas oublier channel ça c'est production 69 n'a demandé pour like abonner peser sous cloche notification retirer le sous personnalisme sur tout pour l'aide dans une vidéo pour pas rater contre la corruption ULCC transmettre by la justice dans le pays d'Haïti pas moins de 11 rapports d'enquête guerrier Dieu seul 11 rapports ça yo gainan yo qui déjà sous table commissaire du gouvernement un ensemble de juridictions mais gain tout même gain adjoint des doyens le tribunal et qui ça rapport ça eux même yo gain là de guerrier premier rapport là il concernait eh bien un espace bureau départemental autorité portuaire nationale APN dans niveau Saint-Marc li loué pour te faire garage. Deuxième rapport li concernait un ensemble de bourses d'études que la Fédération de Russie t'a octroyé à pays d'Haïti via le ministère des Affaires étrangères et des cultes pour l'année 2023-2024 m'a parlé de année académique là. Troisième rapport, il concernait authenticité, un certificat de déclaration de patrimoine greffier Wilfried Eli lui-même l'était délivré by ancien sénateur Willow Joseph. Quatrième rapport enquête qui déjà nommé la justice, c'est une enquête partielle ULCC lui-même l'a réalisé en d'un centre national des équipements sanouelé CNUA. Cinquième rapport d'enquête qui a joint la justice dans le pays d'Haïti, l'Igen pourrait avec gestion ancienne directrice générale loterie de l'État haïtien, LEH, n'a parlé là de Madame Marie Margaret Fortuné Dodier pour période sauti mai 2016, rivé avril 2021. Et son phase 2 dans l'enquête là qui concernait bien entendu les tenanciers de Borlette. Sixième rapport qui déjà sous table autorité judiciaire yo guerrier de seul dans moment n'a parlé là lui concernait rapport par rapport plutôt gestion que magistrat Luma Demetrius qui lui-même c'est magistrat Wanamet gestion le fait d'un ensemble de matériel et d'un ensemble de équipements mairie. Septième rapport, li gen pouwe ak un ensemble de bâtiments
Et bien que autorité pas bon ici loué pour loger ministère éducation nationale et de la formation professionnelle MNFP. 8e rapport li concerné patrimoine ancien sénateur Nenel Kassi. 9e rapport li gen pour ak cadre de débit à Claude Bien au niveau du Sénat de la République. 10e rapport li gen pour avec yon propriété yon kay et bien que nèg yo fait on a acheté pour 86,383,053 goud 93 centimes qui t'a doué gen là-dedans on école de formation continue pour institution que jusqu'à présent cherché Lio Bawel. Et puis 11e rapport son rapport d'enquête qui gen pour ak soupçon de corruption qui en dans on a concernant contrat de location véhicule que institution a lui-même les conclu avec de l'autre entreprise entre juillet 2021 et février 2023. Dans 11 rapports ça au guerrier du seul moi-même personnellement gagne des rapports qui intéressent particulièrement si vous voulez. Par exemple, 2e rapport qui gagne pour avec sélection bénéficiaire bourse d'études Fédération Russie t'est octroyé à Haïti via le ministère des Affaires étrangères et des cultes. Nous songer pour monde qui gagne bonne mémoire, moi t'ai venu là et ceci plus d'une fois, moi t'ai évoqué question ça. On pas bon menti. Il y a des monde qui étaient concernés par dossier là. Et bien qui ça a fait? Yo t'ai pris malin plaisir et a fait circuler des notes vocales côté yo tap attaquer, traiter de tous les mots et même monter tête en série de étudiants en face moi. Et je dis à la n'importe qui est-ce qui râler résumé exécutif rapport ça yo ou apprend nous à l'évidence que un ULC c'est presque confirmé à plus de 200% tout son d'abdio là. Mais de tout, ULCC allait plus loin. Au contraire, de détails, moi-même, moi pas de gagner. ULCC fait gagner. Donc, on rapport, on s'allie intéressé. Et même Mounsa, moi, t'es gagné chance de notre vocal. Cap dit Timounio, c'est rancé, ma princesse. C'est voué, ma voué, mouté. Moi, pas contre ça, ma palé. C'est pantalon, ma descendre. Et bien, voilà que je dis, ULCC voué. Eh bien, bah, la justice pour poursuivre. Pour mettre action publique en mouvement contre lui, pour sanerer les concussions, avec des perceptions de l'argent illicite comme fonctionnaire, mais également pour association de malfaiteurs, accompagné de Madame Daphnika, Midley, Paul, etc., qui a une agence de voyage, qui a pris l'argent dans la Métimounio, passé par là, pour dire au café ou parti. Donc je dis à c'est l'ULCC, c'est pas Johnny Ferdinand. Par contre, vous comprenez. Donc moi, bien content, l'ULCC était intéressé à approfondir en question comme ça. Deuxième rapport qui intéresse m'en rapport ULCCO, c'est 4e rapport à Reginald Robertson. 4e rapport à, c'est enquête partielle que ULCC réalisé en CNE. Nous, pas peut-être premier monde qui dit, mais nous c'est un rare journaliste pendant les derniers moments qui mettait un accent particulier sur ensemble de matériel l'État qui en bas met une série de anciens parlementaires, ancien député, ancien sénateur, ancien délégué, ancien ministre, etc. Matériel ça yo gen yo qui pour travaux publics, mais gen yo qui pour CNE. Donc je dis à qui vient faire que même travaux publics ça n'a pas lié à là, même CNE n'a pas lié à là, pas arrivé rempli mission comme ça doit en dans pays parce que grand ensemble de matériel lourd qui coûtait le trésor public là, on paquette l'argent. Je dis à y a fait job privé ou ensemble de monde à travers tout le pays. Et qui est-ce que vous avez? C'est des anciens députés, c'est des anciens sénateurs, c'est des anciens ministres, c'est des anciens délégués départementaux, etc. Donc, rapport ça, il vient confirmer. Ça me dégage courage, dit ici là. Et pas plus tard, dans le mois que ça a passé là, avec ça qui est passé grand instant, nous avons limé projecter, surtout avec un ensemble de matériel, l'ancien président Jovenel Moïse, tu as acheté pour question caravane changement là. On sait le matériel qui t'a coûté l'État ici des millions de dollars US. Même si le contrat a été fait mal, mais quand même, c'était l'argent de l'État.
Donc matériel ça yo dans espace 2 3 ans pas gen moun ki kon côté yo passé. Et pourtant information qui t'est arrivé joindre nous c'est des anciennes autorités, des anciens hauts fonctionnaires dans l'état qui prend yo qui a fait job privé yo qui a fait activité personnelle yo. L'autre rapport qui est intéressé dans rapport ULCCO, c'est septième rapport Reginald Robertson. Septième rapport li gen pour ak contrat de location de bâtiment logeant le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle MNFP. Pour qui ça? Mes amis pays entendez ça. Haïtien ici tant l'autre bord de l'eau. Comment au ministère madame monsieur, au ministère qui c'est ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle trouver dans 17 local. Ça veut dire pour l'État jouer un moyen, il fait des contrats pour louer un série de espace dans mais 17 monde pour payer pour loger au ministère alors que l'argent ça à mon sens, on pas compte si c'est 1 an, si c'est 2 ans ça t'apprend, tu as construit bel building pour ministère là. Mais yo fait comme si son bail qui normal que il a payé des monde gros l'argent US dans cadre d'une série de contrats qui pas respecté aucune norme pour loger un ensemble de services en dans ministère là. Et qui ça rapport ça prouvé? Rapport ça prouvé que un ensemble de contrats ont en série de anciens fonctionnaires, c'est-à-dire des monde qui travaillent pour ministère ou bien des monde qui a dirigé ministère comme directeur général, yo te signé contrat ça c'est pour te faire une série de monde faire comme. Bien entendu, yo fait comme tout. C'est pour te permettre que une série de gros série de caille, yo dit bah au fond comme l'état là. On rapport comme ça intéressé parce que me toujours concevoir mal pour un ministère trouver dans 17 local en même temps. Si n'a dit ça devant étranger. Moi j'ai réfléchi 10 000 fois avant de poser une question. Par contre, vous comprenez. L'autre rapport qui est intéressé dans le rapport ULCCO, c'est le 8e rapport. C'est patrimoine sénateur Nenel Kassi. Et nous allons pour qui ça l'intéresse un peu plus tard, puisque c'est le premier rapport m'a bien pour m'expliquer mon matin là dans le cadre de la série de mise en contexte nous allons faire là sous rapport ULCCO. L'autre rapport qui est intéressé, c'est le 10e rapport. Nèg yo fait ona achetons kay nan men ou moun et nèg yo font gens là yo dispatcher la dispatcher l'argent mettre sous quatre comptes différents pour en réalité son seul moun yo besoin faire comme là plusieurs millions goud malgré yo écrit et commission nationale marché public CNMP qui dit li même pas compétent mais côté pour aller c'est DGI pour jeune yo avancer quand même yo fait moun nan faire comme là m'a parlé là de ancien député Kenskoff là Alfredo Antoine, c'est rapport qui dit ça, c'est pas moi. Et il a été question qu'il y a construit une école de formation continue pour le compte de l'ONA. Oui, pour l'ONA. Oui, guerrier diesel. Onzième rapport intéressé, il est toujours concerné ONA. Nagyoshita a loué une série de machines pour institution pendant une période donnée, surtout sous administration ancienne directeur de passé à là, James Le Jean-Baptiste, etc. Et m'pap bon menti, gen gros irrégularité ak anormali que institution ULCC a décelé. Vous comprenez? Qui vin fait que soupçon de corruption qui te gen yo vin renforcer. Et en pile voix levée pour dire, pendant le dernier moment ça de 2017 à très récemment, nèg yo c'est ça oublié ou pas fan nan ONA. C'est pesé ou pesé kou ONA. Donc si gen des rapports jodi a qui sorti qui concerne ONA rapport d'enquête qui vient pour la corruption m'a bon menti y a très intéressé maintenant là Reginald Robertson Grégory Lubin guerrier du seul moi voulais profiter de espace là pour moi saluer courage enquêteur ULCCO. Je suis pas en train de dire que ça ULCC dit c'est parole l'évangile et que n'importe qui haïtien ou bien n'importe qui monde qui gagne chance li yo doit tout carrément dire amen yo fin parler point bas. Au contraire, jusqu'à présent, nous étions convaincus monde qui indexé
en dans rapport ça yo, yo gen droit tout à sanrele la présomption d'innocence. Mais madame, monsieur, ladies and gentlemen, messieurs, dames, la société, je dis à l'ICAT, un grand ensemble de monde en dans pays, ya, nous pas de besoin un rapport ULCC, nous pas de besoin un rapport de l'ONU, nous pas de besoin des sanctions du Canada, des États-Unis et autres pour nous déconnecter ces volets. Oui. Parce que nous avons fait des bagailles pendant la dernière année, pendant le passage dans tête l'État, et de pour nous, tout dit, ah! Monsieur pas qu'à l'autre bagaille qu'on gang. Monsieur pas qu'à l'autre bagaille que voler, que kidnapper. Parce que y a des jeunes non abcités, on sait où de bagaille. Y a des monde qui a fait de bagaille. Y a des monde même qui fait des expériences avant. Donc automatiquement, on dit de bagaille, on dit, ah, m'de gétan wè ça. Alors pensez, sous prend bagaille Canada, sanction Canada, sanction États-Unis, sous prend l'ONU, sous prend rapport ULCC. Alors pensez, y a des monde qui dit que voler la gétonne ou. Je ne sais pas si je vais le citer, mais je vais vous dire que vous avez volé. C'est le contraire qui m'a étonné. Moi-même, dans le pays, je vais suivre tout le monde, monsieur. Je vais vous dire que vous avez volé, papa. Je vais vous dire que vous avez volé, mais je ne sais pas. Pour ULCC, vous avez un gap administratif, vous avez une corruption dans le Sénat République, là, dans la législature qui se passe là, par exemple. Comme si moi-même, je vais le saisir, vous avez. Ou pas c'est moi qui vais saisir. Par contre, pour vous, vous saisir le gaspillage. Moi-même, je vais saisir. Et pas dit, me dit, tout ancien sénateur, c'est voleur, c'est corrupteur, c'est kidnappeur. Je vais dire ça. C'est pas dit, me dit, tout ancien député, c'est voleur, tout ancien ministre, c'est voleur. Je vais dire ça. Mais vous paquet ancien parlementaire là. Vous paquet ancien ministre là, ancien directeur général là. Je vais pas vous faire seulement, mais c'est certain. C'est si un jour tu as un rapport qui sorti en faveur qui dit mon cher, il va gagner rien pour voler, il va gagner rien pour avec mauvaises affaires dans le pays, c'est ça que tu as fait me saisir moi-même. Donc je dis là, moi pense que moun qui indexé dans rapport, gain intérêt pour collaborer avec la justice pour permettre que la justice fait lumière sur ça qui dit. Sinon, même si dossier t'arrive en côté li ale nan poubelle nan tiroir gens sa habitué fait, mais dans la perception l'histoire ou a retenu que nous on t'ai cité nan volé, et c'est certain papa ou pas jamais fier de ou s'il a vive toujours petit tout pas fier de ou parce que gon tache k'ap kole nan dol que non papa l'était cité comme volé machine, non papa l'était cité comme moun qui t'ai détourné l'argent l'état, non papa l'était cité comme moun qui t'a financé gang. Donc moi à mon sens, je pense que quel que soit le monde qui est non cité aujourd'hui, dans quel que soit le rapport, dans quel que soit le document officiel, ou bien intérêt, dans la limite de pouvoir ou à capacité pour collaborer pour lumière, fait sous dossier ça. Et Mathieu guerrier du seul, moi je voulais lancer un pinga by un ensemble d'acteurs en le système judiciaire haïtien guerrier du seul. Je parlais avec le commissaire au gouvernement. M'a parlé avec doyen tribunal yo. M'a parlé avec juge yo, juge instructeur yo qui pralgué éventuellement pour instruire un ensemble de dossiers dans cadre rapport ça yo. M'a parlé avec un ensemble d'avocats, mes chers amis. Pays a surveillé nous de près et tous les yeux sont rivés sur la justice pour garder qui ça nous pral fait avec énième rapport ça yo. Pour qui ça me dit énième, parce que si me pas trompé depuis l'administration du directeur général Hans Ludwig Jack, on croyo sur une quarantaine de rapports là. Mais on t'a même demandé nous matin combien nèg yo rivé cloué, combien nèg yo rivé dit innocent, combien nèg yo rivé fait purger peine ni, combien nèg qui était indexé jodi a yo dit mais qui degré de responsabilité, combien nèg qui dans prison. Mais si n'a pas gardé quantité de documents, quantité de rapports qu'elle joigne la justice, ou après quand même, ou bien comme l'impression que ULCC a lavé mel sur la tête. Même pas où elle comme ça. ULCC fait travail pâle là. On dit si comme œuvre humaine, l'y faille la justice dans la capacité, dans toute salle comme arsenal, gagne toute possibilité pour l'approfondir, pour la garder. Qui ça dit, pour qui ça le dit, est-ce que c'est saleté et qui degré de responsabilité chaque grain de monde qui indexé en date document
Terrier du Sel. On parle avec un ami et nous fait environ une heure à échanger. Son ami qui est très avisé. Monsieur explique que grand politicien haïtien qui te dit où est l'eau à voler en Haïti ou obligé voler pour tête ou obligé voler tout pour commissaire gouvernement, pour doyen tribunal, pour juge, pour avocat, etc. Mais ça, monsieur, vle dit par là. Monsieur, vle dit par là, si je dis à la, m'a détourné l'argent l'État, puisque je connais à n'importe qui moment, vent qui a viré contre moi, donc m'oblige à dire, dans comme m'a volé, ou quand c'était comme m'a quitté la même, pour me corrompre, commissaire gouvernement, pour me corrompre. On série de doyens qui va gagner pour distribuer dossier yo pour me corrompre, on série de juges qui va gagner pour instruire dossier yo et probablement pour me corrompre, on série de avocats tout. On série de dossier là, il y a des avocats même qui parlent pour ça. T'allé là au dire qu'il faut me quitter tel million pour avocat X, c'est lui même qui gagne la voix au chapitre, c'est lui même qui a parlé dans radio, c'est lui même qui a fait bruit, c'est lui même qui a rentré dans combine avec un série de juges, c'est eux même qui a négocié à tel juge, donc c'est avocat ça pour me gagner. Yo tout retirer l'argent. Au lieu nèg la prendre décision pour pas voler. Comprenez bien, oui, madame, monsieur. Au lieu d'aller prendre une décision pour ne pas voler, il préférait anticiper pour lui dire, ok, comme la volé quand même, mais mettons l'argent de côté. Au lieu pour le corrompre tout le monde dans le système, au lieu pour le minimiser l'accusation, pour le minimiser sa audit ou de lieu. Et je dis à la gonne l'autre bagaille, dans le cap volé, dans la génération ça, il a même retiré le cop pour la presse, oui. Il a retiré le cop pour la presse. Soit pour le payer patron média, pour dire patron média, pas quitter monsieur parler de ça. Soit pour payer journaliste tout. Grand écoute yo pour dire que ça, pas de question qu'on parle de ça. Ou bien sous ta parler de lui, ferme bouche ou. Ou bien tout. Je dis à une agence de formation en ligne tout. Pour jouer avec mon cap dirigé, pour faire manger, pour faire blackout, sur ensemble de dossiers. Donc, pinga pour tout le monde. Que le témoin qui est dans le système de justice là, que le témoin qui est dans la presse, qui est la corporation à laquelle moi-même appartenu maintenant. Rapport ULCC, madame, monsieur. Moi, toujours dit ça et m'a prouvé dit le matin encore. C'est la pointe de l'iceberg. Ça veut dire, ça ou est ULCC dit ou en général, sous le monde qui indexe, il n'y a pas rien devant sa bagala, y est véritablement. Et voilà pourquoi il revient à la justice, ok, pour aller fouiller. Avec toute ça la loi Bali comme outil pour connaître partie immergée iceberg là qui sac la dedans et en pile fois gros maman causé c'est dans partie immergée allié partie en bas de l'eau c'est lui-même qui est gros maman causé donc ça fait jodi a moi considérer travail ULCC comme une première étape importante mais gros l'autre étape tout qui très déterminante c'est étape la justice là. Et ça fait que je vois pinga. Le commissaire gouvernement et tout, je vois le dossier à bas. Là, puis quelqu'un vient sur le bureau. Rapidement, il faut faire ça la loi dit. Vous voyez le doyen pour doyen même et chercher juge pour distribuer, etc. Pour au moins une célérité de là. Si vous avez indexé innocent, pour la République qu'on est innocent, ça c'est pas l'argent que vous ça c'est pas la corruption que fait encore dans l'autre niveau. Même j'entends tout, c'est des gens qui sont coupables. Pour y aller purger peigne. Parce que corruption fait pays ça trop mal. Corruption met pays ça très en retard. Et je l'avais dit, m'a dit en commentaire. Je dis à m'a vle fem porte-parole ULCC. Mais sous bien garder méthode ULCC a, ou ap comprendre que l'elle font rapport, li fait la partie ou d'un prétexte. Et bien le capitaliser sous lui. Et puis la l'enquête. Quand y a la l'elle fait rapport à l'ivoire de la justice, quand y a la justice a laissé garder en profondeur, la justice vient rendre compte que bagala plus que ça a été pensé. Bon, un bon exemple. On prend cas CAS là. N'a pas songé que pour ULC c'était mené enquête CAS là. C'est une organisation oui, qui te font demande de subvention. Et puis l'elle al derrière chèque li. Yo dit le comme ça que chèque là bail déjà oui bon monde qui prend chèque là oui
et puis dirigeant légal organisation pas au courant de bail comme ça non et puis organisation a déposé en plainte mais comment ULCC initie enquête là donc enquête là pas visé madame tonton ou bien ensemble de l'autre monde ouais qui était inculpé dans quatre dossiers on a c'est à partir de enquête ULCC à qu'on y a là il a rencontré des bagailles et puis on met enquête là à la disposition de la justice juge Wilner Mouin sur dossier et laisse à la louer bagaille par exemple dans rapport ULCC à aucun moment yo pas dit madame non te bay tête non série de frais yo pas dit madame non te gon quantité chèque de subvention li même avec mon entourage y a changé mais la justice qui quoi ça madame tonton ça qui dans prison ça yo dit moi mettez dans prison m'a dit moi la justice vous comprenez il va dire ça en pas question bourse d'études je t'ai parlé tout à l'heure l'aime te vinn là m'te dit comme ça mais qui ça me gagne comme élément dans cadre enquête moins fait à partir dont dénonciation me joine eh bien même mon m'te cité dans yo yo tout est sorti pour manger moi gien mon qui te dit moi ça que gon nèg ou cité non là papa monsieur prêt à tout c'est pour l'argent hein bon mon capitaine dans même boîte à monsieur qui te dit forme très prudent monsieur l'aime vinn dit ça là eh bien jodi à là il pas ULCC dit faut que ministère affaires étrangères mette monsieur sous côté mise en disponibilité sans solde comme fonctionnaire et deux faut que yo mette action publique en mouvement contre lui faut que poursuive monsieur pour crime de concussion prend l'argent illicite comme fonctionnaire dans même monde et puis deuxièmement comme monde qui dans association de malfaiteurs puisque bon Daphne Capol qui t'a mettre ensemble pour prendre l'argent dans même yo dit a fait yo aller là aussi à l'étudier alors que son bourse qui totalement gratuite l'autre bagage nous prend comme prétexte on prend Youri la tortue ancien sénateur et la Tibonite là dossier maman madame Immacula Cantave là c'est à partir d'un chèque qui t'a circulé sur réseaux sociaux et puis ULCC lui-même il prend comme prétexte et puis il dit balal garder que ça va là et puis il produit rapport dossier Romel Bell là encore c'est déclaration de patrimoine monsieur Alfred bio estime que gen ti bagay ki pa clair les à l'enquête effectivement yo joine que monsieur fait des fausses déclarations de patrimoine qui fait reconnaître que monsieur t'a pris dans la douane là on t'a prendre plusieurs autres exemples donc les ULCC font travail il fait la partie don dénonciation don plainte ou du moins clameur public ou bon qu'on y a aujourd'hui à une nouvelle technologie gen des bagay qui doivent circuler sur réseaux sociaux qui viennent des rumeurs qui persistantes et puis ULCC regarde que ça bagay là qu'on a regarde que ça bagay là s'il joine effectivement il y a de quoi à avancer parce que il y a des irrégularités, il y a des anomalies, il y a des dates et puis le produit rapport il voit le bal la justice. Dernier élément avant m'aller dans rapport sous déclaration patrimoine Nenel Kassia. L'OULCC dit qu'on sait que on moun détourner 1 million de goud ou même on ca saisir Regina Robertson nous dit comme ça 10 millions de goud ça 10 millions de goud de eh bien, dans le cadre de travail ULCC, il y a un détournement de 1 million de gouttes. Eh bien, si la justice fait travail, ou bien, si on a fait avec des juges qui sont honnêtes, des commissaires gouvernement qui respectent les têtes, des droits qui respectent les têtes, qui permettent que le dossier avance et arrive dans le niveau de rivière, pas étonnant, on va regarder, 1 million de gouttes, ça, j'aime dire tout à l'heure, ce n'était que la pointe de l'iceberg. Donc, en bas, c'est vraiment une quantité de millions incalculable que l'on a détourné. Parce que moi, il y a des gens, vous parlez de bah, sénateur Kassia, vous parlez d'augmentation de 28 millions. Moun yo dit, tu crases mon nom, cher, 28 millions, hein, comme un ancien sénateur qui a un gros ambiance dans le pays. Vous comprenez? Mais quand y a là, on a laissé regarder. Il y a son Kalia, il y a son Foukouronea, il y a son Pakalia, il y a ça qui dit, il a non dit. Il a fait la guerre, mais je dis, on apprend rapport qui concernait Guerrier de Seul. Enquête sur patrimoine sénateur Nenel Kassi. Nous pas besoin presser mon yo. Mais plutôt fait 2 semaines dans rapport, m'a expliqué mon yo rapport grain bagain. Et je dis à la sans quel rapport on camper même. Vous comprenez? En quel rapport? Jeudi rapport, vendredi rapport, si pas l'autre gros actualité, un gros fait d'actualité, un gros bail. Lundi rapport, mardi rapport. Non, pas pour le rapport. Regardez, à défaut de rapport Nations Unies, rapport international, là, nous même dans la production locale, nous avons encouragé le rapport national. Parce que les gens qui ont joué, ils disent, ils concevaient ça très mal, comme haïtien, ils ont encouragé Blanc à faire rapport sur compatriotes. Par compatriotes.
Eh bien, ok, nous faisons camper sur les Nations Unies, qu'on y a en production nationale, nous camper. Comme c'est ULCC, son institution la caille, moi-même, c'est sous lui, nous camper ce 20 ans. Ce 20 ans, nous camper, en quel rapport? On a laissé regarder guerrier du seul. Très rapidement, et malheureusement, c'est seul qui n'a pas bien temps prendre. Demain, nous venons sur l'autre. On va un peu guerrier. Ok. Dans le rapport enquête sur patrimoine, sénateur Nenel Kassia. Alors, pour que vous compreniez, parce que moi, c'est ça que je viens de faire. Il y a une nouvelle, mais il y a une compréhension. Nouvelle. Parce que moi, je ne pas mentir. Moi-même, pour me lire le rapport, ça, je vais lire tout. Non, pour l'histoire, pour la vérité. Mais au moins, je lis 4 rapports, je prends 4 heures de temps. Dans la nuit là. Vous comprenez? Avec les badomi. On a pour comprendre, rapport enquête sur patrimoine, sénateur Nenel Kassia, il faut qu'on retourne en 2018. Qu'est-ce qui s'est passé en 2018? En 2018, l'institution qui est l'ULCCA, Unité de lutte contre la corruption, a été réalisée une enquête sous détournement en cargaison de mazout qui était évalué à plus de 500 000 dollars 20 compos. Et on stock dirait que Japon t'est offert ou bien t'est bail pays a pas offert. Je dirais, tu fait comme don à Haïti. Et nous connaissons l'aide du riz à venir jouer un pays. C'est le BMPAD qui est chargé pour monétiser. Pour le citoyen lambda capteur de la matière qui ne comprend pas ça où il est monétisé. Mais ils allient. Japon fait un cadeau du riz. Et puis BMPAD lui-même lit là pour vendre du riz. Et l'agent ça yo prend comme l'agent de l'État pour financer un ensemble de projets. Par exemple, il y a plusieurs écoles qui ont reconstruit plusieurs lycées. Que le lycée du 150er ou bien lycée Marie-Jeanne, c'est l'argent BMPAD là qui a financé. Mais l'argent, ça n'est pas pour BMPAD lié, c'est de l'argent nous fait à partir de don du riz, eh bien, Japon bon nous. Eh bien, qui ça? Vous constatez, bon monsieur Oele, Patrick Noramé, actuellement là, monsieur Panambéi. Vous estimez, pendant monsieur, le directeur général BMPAD là, monsieur Ferroud Cauchy, Gabriel, il me laisse ça, monsieur. Monsieur Ferroud Cauchy avec un cargaison mazou qui était évalué à plus de 500 000 dollars vet et puis une quantité de riz. Là, on fait enquête là, on joue effectivement que Negio pas innocent. Là, je dis Negio, m'a parlé de directeur général là, monsieur Patrick Noramé, pardon, et puis son directeur administratif à l'époque qui était Evans l'aîné. Tous les deux étaient indexés dans le rapport à guerrier du seul. Ils étaient indexés pour enrichissement illicite, pour blanchiment des avoirs. Maintenant, information qui vient de joindre ULCC, et ce n'est pas ancien sénateur Nenel Kassia qui peut dire le contraire, c'est que les gens qui étaient recommandés, vous savez bien, oui, Grégory Lubin, qui étaient recommandés, nous ramé pour job là, l'irélé Nenel Kassia. Qu'on y a là sur cette base, sous base de ces informations que ULCC a obtenu, ils aiment bien. Voilà, regardez. Comme ça, monsieur, t'es recommandé Patrick Nouramé. Et Nouramé, ça lui indexé nos rapports d'enquête qui dit lui détourner l'argent l'État au niveau du BMPAD. Bah, regardez tout qui sa patrimoine, sénateur Kassia, dans l'intervalle. Par contre, vous comprenez, Réginal Robelson, Grégory Lubin. C'est ainsi que ULCC monté équipe enquêteur li. Et puis, il y a le fourni, j'ai gardé. Et bien, dans le cas d'enquête là, madame, monsieur, commission enquête ULCC, li a cherché des informations sous sénateur Nenel Kassia auprès d'un ensemble d'institutions financières en d'un pays avec des organismes publics parmi eux. Office Assurance Véhicules Contre Tiers, OAVCT, Direction Générale des Impôts, DGI, Unité Centrale de Renseignement Financier, UCREF, Ministère du Commerce et de l'Industrie, MCI. En plus, membres brigade vérification et surveillance patrimoine, ils ont été mobilisés pour regarder est-ce qu'ils sont capables d'identifier bien que M. Kassia gagne ou bien que Mme gagne, que le patat déclaré dans le cadre de déclaration patrimoniale. Eh bien, information que ULCC joigne, madame, monsieur, information que l'institution a joigne pendant l'investigation, ça y est, il y a eu découvert
ancien sénateur Kassi, pas trois catholiques passé ça, non, ça a été fait comme déclaration de patrimoine. Ça veut dire ça. Monsieur pas dit toute bagaille, ou bien monsieur pas trop clair. Dans ça, il te raconté, mon yo que le gagné, etc. Qui ça, institution a rappelé? Institution a rappelé que Nenel Kassi était élu sénateur de la République à deux reprises, en 2006, en 2015. Et sénateur a fait toute ça le capable selon ULCC pour ne pas jamais soumettre lui à obligation que l'on.